mardi, il est 6h et quelques, direction le stage, c'était un peu dur ce matin. Oh mais mon bouton là, il monte, faut que je le cache avec mes lunettes. Je me suis réveillée presque toutes les heures et à chaque heure je regardais en espérant qu'il soit pas près de l'heure de me lever. Enfin bref, c'était une cata. Ça me le fait souvent les veilles de rentrée, voilà. Je pense que je ne suis pas la seule. Et genre ce matin du coup j'avais pas faim, enfin pas terrible quoi. Et je crois que je voulais emmener une banane et je crois que je l'ai oubliée. Ça va être super. Hello, bon j'ai fini ma journée. Là, je viens d'arriver sur le parking de la salle de sport. Donc voilà, direction la salle. Et à partir d'aujourd'hui, je commence un nouveau programme sport, alimentation, tout ça. Je vous en reparlerai un peu. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller surtout voir sur mon Insta de sport. Voilà. Bon les gars, j'ai terminé ma séance. Voilà, c'était assez rapide. Je voulais faire plus, mais j'ai trop mal à la tête. En gros, les séances du programme que je fais, elles durent environ une demi-heure. Et je rajoute du cardio, donc ça fait des séances assez courtes. Je voulais rajouter des... Oui, donc je disais que c'était des séances courtes. Et du coup, je voulais rajouter en fait mes séances à moi, soit avant, soit après. Sauf que là, j'avais tellement mal à la tête que ça m'a suffi. J'ai fait du coup environ une demi-heure, plus environ 15 minutes de cardio. C'était bien assez. Bon, me voilà arrivée. J'ai eu un message me disant que j'avais un colis qui était dans un point volet, enfin dans le truc de poste. Sauf que, boulée comme je suis, moi j'ai oublié de partir avec mon permis et tout ça. Donc du coup je peux pas aller retirer le colis puisque je n'ai pas de pièce d'identité sur moi. Puis je peux pas y aller à pied parce que c'est pas tout près. Enfin c'est pas tout près. En voiture c'est assez près mais voilà. Du coup j'ai pas envie de ressortir la voiture. Ce sera pour demain, tant pis. Et vous l'aurez sûrement vu, peut-être à la qualité. J'ai pas pris mon appareil photo aujourd'hui, je filme avec mon iPhone, j'ai oublié l'appareil. C'est pas grave, ça passe. Et le colis, en fait, c'est une commande que j'ai fait sur Amazon. Du coup, j'ai mon petit avis de passage. Et oui, j'avais reçu un SMS en fait ce matin. Enfin, il m'a été envoyé ce matin me disant les horaires où le livreur allait passer. Sauf que moi j'étais en stage donc j'ai pas pu dire que j'étais pas là. Donc tant pis. Là je vous avoue j'aurais bien envie de faire une sieste parce que j'ai été mal de tête. J'espère que ça va pas revenir comme avant, que c'est juste un petit mal de tête passager parce que... Non merci quoi. Comme je vous avais montré aussi dans l'autre vlog, vu que j'ai emballé tous les colis des concours, faut que je passe à la poste et que je guette aussi qui m'a pas répondu encore pour que je leur pose pas leur colis. Parce que j'ai pas envie de poster les colis et qu'on me réponde « Ah bah non, j'ai changé d'adresse !» Hello, enfin re. Cette journée, ça aurait été un peu n'importe quoi. Donc là, en fait, je viens de me réveiller. En fait, je me suis endormie. Du coup, je ne suis pas allée poster les colis. À cette heure-ci, c'est fermé. Enfin, en vrai, c'était une catastrophe. Donc je pense que le vlog d'aujourd'hui sera avec un autre vlog parce que... aujourd'hui, il n'y aura pas grand-chose, quoi. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre ma douche puis mon copain va pas tarder. Là je pourrais encore dormir, je suis fatiguée. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous. Et puis je vous dis à plus tard pour un prochain vlog. J'ai terminé ma journée. Je vous ai même pas pris ce matin. C'était un peu la course. En plus il y a... En fait je me suis fait une salade ce matin. J'ai mis du vinaigre balsamique et ça a coulé de mon tupperware. Donc tout plein de papier dans mon sac était trempé. J'en avais sur le jean. Et en fait ça a coulé dans mon sac. Et c'est un sac en tissu, c'est un tote bag. Et du coup j'en avais sur le jean mais j'ai vite essuyé. Donc je crois que ça se voit pas. Mais ce matin je commence à sentir du mouillé sur ma jambe. On allait à l'ascenseur et voilà. Donc j'ai recommandé sur Amazon le scoop des tupperwares, voilà, pour emmener. J'espère qu'ils seront un peu plus hermétiques parce que là celui que j'ai pris pas du tout quoi, franchement c'est un peu chiant. Et après il y a tout qui sent le vinaigre balsamique, enfin bref. Du coup là je vais direction chez mes parents voir la petite Lilette, donc let's go. Wesh Lilette, Lili, Lili, Lili. Fais genre, tu m'entends pas. Oh, elle en a plein la bouche, elle est en train de goûter. Et moi, je suis tranquillou. Bon, j'ai pas vraiment filmé avant. Je vais terminer mon projet de soins que je dois montrer à la cadre de mon stage demain. Du coup, je travaillais. Avant, on a mangé la galette. Et qui c'est qui a eu la fève? Moi. Oh, mais ta bouche. Donc on a eu les deux la fève.
Voilà, nous sommes les deux reines. Je vais vous montrer les deux reines. Et en plus, mon copain a acheté une galette frangipane hier soir. Donc on a mangé chacun une part hier soir. Puis moi, ce matin, j'ai repris une part. Donc j'ai continué ce qu'on avait mangé. Et j'ai eu la galette ce matin. La fée ce matin. Du coup, j'ai été deux fois reine aujourd'hui. Ça, c'est celle que... Tiens, pour ta galette. Ça, c'est la fève des mains. Attends. Et voilà, ça, ma petite fève, c'est un petit chien. Et celle de Lily. C'est un petit chat qui s'étire. Un gros chat par rapport à mon petit chien quand même. Hein. Allez, regardez. Pue le fromage, et du fromage de chèvre. C'est du fromage de chèvre, ça pue. Du coup, c'était ma troisième galette de l'année. Et troisième fois que j'ai la fève. Parce que la dernière fois, chez mes parents aussi, j'avais eu la fève. Et il n'y a aucun trucage, voilà. Je n'ai pas triché pour avoir les fèves. On a juste de la chance, voilà. Moi, j'ai très souvent la fève. Tous les ans, c'est un peu comme ça. Bon, il y a des ans un peu moins, mais là... Trop reine quoi. Hein Lily, je suis une princesse. Carrément là. Ah, je suis une princesse. C'est le roi. Le roi, ah bah super, je suis le roi. Non mais moi j'ai eu trois fois la fève cette année. Donc je suis une triple reine. Tu fais exprès, petit monstre. En quoi tu veux taper les abonnés? C'est vilaine. Je savais pas qu'il y avait des abonnés, moi, derrière là. Ouais, c'est ça, c'est pas toi. Mais c'est pas moi. Mais c'est pas moi. Bon, sinon là, j'ai reçu des lettres d'abonnés de ma boîte postale, donc pas beaucoup. Je suis hyper, hyper en retard dans les réponses. Je crois que j'ai pas répondu depuis août, juillet, août. Voilà. Je suis désolée, j'ai pas le temps en ce moment. C'est un truc de ouf. Donc bon. Voilà, et je crois que j'ai reçu une nouvelle carte bancaire aussi parce qu'elle vient de se périmer là. Et ça m'a l'air d'être une forme de carte là-dedans. Bon, là je viens d'arriver dans mon garage et je vous avais dit j'ai reçu une nouvelle carte. Du coup, je suis allée pour l'activer, je suis allée prendre l'essence. Sauf que j'avais déjà fait mon plein. C'était quand? Quand je suis allée chez mes parents, ça devait être samedi. Du coup, là j'ai pu mettre que 2,96€. Le gars qui était juste après moi, il a dû dire mais qu'est-ce qu'elle met? L'essence pour 3€ quoi, franchement. Bref, sinon sur la route, on met à chaque fois les animaux sauvages, faut toujours qu'ils traversent. Sur les routes à 90, je suis désolée si je parle comme ça là, j'ai des aftes, c'est horrible quand je parle, c'est vraiment hyper désagréable, ça me fait trop mal quand je parle. Et le lapin, il a dit c'est de traverser comme ça, du coup moi j'étais à 90, j'ai pilé comme je ne sais quoi. Super, voilà. Bon, le principal c'est que je ne l'ai pas écrasé. Il a pu se sauver du coup, mais il n'y a pas de voiture, pas un chat sur la route. Lui décide de passer quand j'arrive. Mais bien sûr, c'est toujours ça. Je crois que la boîte aux lettres est plutôt bien remplie. En plus, c'est un autre petit colis ici. Bon, comme vous l'aurez vu juste avant, une ouverture de colis s'impose. Je suis allée me faire un petit bain de bouche pour essayer d'anesthésier au max mes aftes. Pour que je puisse vous parler parce que c'est horrible. Après il faut que je termine mon projet de soin, en plus je dois le montrer à la garde demain, donc j'espère qu'elle va pas me demander de tout lire. Parce qu'avec mes aftes c'est horrible, ça fait mal et en fait ça fait genre une hyper salivation, du coup je salive de trop. Il faut que j'avale ma salive tout le temps et c'est insupportable, franchement c'est trop chiant. Et en plus les aftes ils touchent les dents, bref. Déjà hier j'avais reçu une autre commande Amazon que je suis allée chercher en point relais. Que du coup j'avais reçu lundi mais comme j'étais pas là, voilà. Donc trois livres en rapport avec l'alimentation, donc le premier c'est mon cahier stop au sucre. Je ne veux pas forcément arrêter complètement le sucre, mais là-dedans il y a plein de petits conseils, de recettes et tout, donc je trouve ça trop cool. Comment remplacer le sucre, les alternatives de recettes, enfin bref. Je trouve ça cool à l'intérieur comme c'est. Ils font plein de trucs, donc là c'est mon cahier stop au sucre, mais ils font mon cahier pour plein de choses. Je crois que c'est le même format et tout que le livre de Sissi et Mua. Ensuite dans le même thème c'est le livre C'est décidé. Je deviens sugar free, donc sans sucre quoi. Et en fait ce que j'adore dans celui-ci, j'essaie de vous montrer, mais en fait il y a plein de recettes, franchement ça donne trop envie. Et je trouve ça vraiment trop cool, il y a vraiment plein d'explications. Et le dernier c'est Vegan débutant de Marie Laforêt. Donc c'est un assez gros livre et pareil dedans il y a plein de recettes. Comment remplacer la viande, quel autre aliment remplace la viande niveau texture, niveau saveur, enfin bref. Plein de choses, donc pareil, je ne veux pas forcément devenir vegan pour le moment, enfin c'est pas prévu. Mais comme vous l'avez déjà vu, j'essaie de diminuer ma consommation de viande.
Ensuite, rien à voir, j'avais commandé ça aussi, donc ça sert à faire des trous. En fait, à chaque fois, les ceintures me vont tout le temps trop grandes. Du coup, je ne mets jamais de ceinture et c'est un peu chiant, donc j'en avais commandé une. Même d'autres qui ont dû rester chez mes parents parce que je ne crois pas qu'elles sont là. Donc je vais enfin faire, donc je vais enfin pouvoir faire des trous dans mes ceintures et ça c'est cool. Ensuite là il y a 4 colis. Donc le premier, le petit, je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est une commande Amazon aussi. Moi je pensais qu'ils allaient tout mettre ensemble. Voilà, yes. Donc c'est la marque Bramble et là vous allez dire mais qu'est-ce que c'est? Et là si je vous montre vous allez comprendre. Donc en fait j'ai commandé un petit kit comme ça là avec des couverts à l'intérieur. Donc ils disent que c'est des couverts pour camping mais moi je vais l'utiliser pour emmener en stage en fait. Plutôt que d'emmener les couverts de chez moi, genre rouler dans une serviette, ça trou, mes sacs plastiques, enfin bref. Du coup vous avez couteau, fourchette, grande cuillère et une petite cuillère. Là au stage où je suis, on a des couverts dans notre salle pour manger, mais il n'y en a pas toujours. Et puis voilà, c'est plutôt pratique. Et avec, il y a un décapsuleur, je crois. Mais j'en ai pas besoin. Du coup, je vais laisser à l'appart ça. Donc ça, c'est cool. Ensuite, un colis de chez Octoly. Donc c'est un masque de la marque Glamglow. Donc c'est avec les Power Rangers comme vous pouvez voir. Et c'est le masque soin raffermissant. C'est un masque peel off vert. Et je me disais que ça pouvait être vachement drôle d'être ouvert. Voilà. Raffermi, lisse, retent, tonifie. Voilà, je pense qu'il peut être sympathique à faire. Il y avait aussi le doré, je voulais le doré mais il était plus en stock. Je sais pas pourquoi celui-ci il a des petits trucs là. Bon, j'ai pas les ciseaux mais j'avais un coupon. Je sais pas pourquoi il y avait ça, parce que c'est pas du tout un truc lourd ou quoi. Ah, à mon avis, parce qu'il se décollait un peu, je pense que c'est la poste qui a dû mettre ça. En tout cas, moi, je trouve ça toujours bête qu'ils nous mettent des gros cartons comme ça, là, pour mettre ça dedans, quoi. Et ils envoient un truc par un truc, donc c'est un peu... Parce que ça, c'est le genre de produit qui passerait dans une lettre, quoi. Donc du coup, c'est un masque. Par contre, il est tout petit. Il y a 4 utilisations, je pensais qu'il allait être un peu plus gros. C'est un masque à l'argile bleue de chez Sephora. Donc pareil, je vais être toute bleue, ça va être sympathique. Et celui-ci, l'argile bleue. Parce qu'en fait, chaque argile de couleur a quelque chose de particulier. Il me semble que celle-ci, c'était exfoliant, détoxifiant, oxygénant. Voilà. Et dernier colis, Amazon. Toujours la flemme de chercher les ciseaux, donc on va prendre ce petit truc. Je sais ce que c'est, je vous en ai parlé au début de ce vlog je crois. Bon, là nous avons du rien. Et ensuite, j'avais un peu peur pour la taille parce que sur le site en fait, enfin sur Amazon du coup c'est en litres. Et du coup en litres tu te rends pas bien compte de combien ça fait en fait. Je m'étais dit au pire que je les renverrais si c'était pas la bonne taille. Donc c'est 3 tupperwares, ça m'a l'air un peu petit mais au final tu te rends compte que si tu manges vraiment 1 litre comme ça t'es déjà bien calé je pense. Du coup c'est des tupperwares qui s'ouvrent comme ça, voilà. Et j'ai vu qu'ils allaient normalement au micro-ondes. J'ai toujours peur de mettre une première fois les trucs au micro-ondes parce qu'on ne sait jamais. Mais en tout cas voilà, ils sont cool, ils ont une taille convenable. Et ça va être très pratique pour les stages. Et en fait ce que j'aimerais bien faire c'est me préparer en gros mes plats de la semaine en avance. Voilà. Donc là j'en ai pris, c'était un kit de 3. Et je m'étais dit que peut-être si c'est comment, si c'était de la bonne taille que je recommanderais d'autres. En plus vous pouvez les empiler puisque c'est la même taille. Comme ça je me préparais genre les meal prep. Je sais pas si vous voyez, si vous suivez des comptes de sportifs tout ça. Genre le week-end vous cuisinez des trucs et... Bah par exemple pour mes repas de ça je serais hyper pratique plutôt que le soir se dire oh qu'est-ce que je vais me faire pour demain ou remanger la même chose que la veille. Voilà, pas pour tous les jours parce que je sais pas. Mais au moins t'es quitte d'avoir la flemme et te dire bon j'ai la flemme, je cherche un McDo, bon j'ai la flemme, on se fait juste des pâtes ou j'ai la flemme, on va se faire des petites patates au four, enfin voilà. Moi t'as des petits trucs de fait et je trouve ça cool. Voilà, donc maintenant il va falloir les laver. En tout cas ils ont l'air cool et ça a l'air assez imperméable parce qu'il y a le plastique ici. Sinon voilà notre galette et voilà la fève. Je connaissais pas du tout, c'est un truc d'un super héros je crois. J'ai essayé de l'attraper, c'est écrit Aquaman.
Je sais pas si c'est pas un super-héros, je me suis dit Aquaman, ça doit être un truc. Mais en tout cas, elle est pas très belle, quoi. Hein. J'étais un petit peu déçue. Sinon, du coup, comme je vous l'ai dit, que j'ai commencé un nouveau programme de sport avec il y avait le programme d'alimentation. Du coup, j'avais fait les courses sur le drive. J'ai pris plein de bonnes choses. Bon, là-bas, j'avais pris des mandarines bio. J'avais pris 1 kg. Ils en avaient plus à Carrefour. Du coup, quand ils en ont plus, ils nous donnent un truc mieux. Donc, ils nous ont donné 2 kg. Mais bon, elles sont pas bio. J'avais pris les kiwis bio. J'avais pris des pommes. Des bananes. Ensuite, puisque le matin, je prends tous les matins un verre d'eau tiède avec du jus de citron, j'avais pris 3 bouteilles de jus de citron bio. En fait, pour 2 achetés, il y en avait pour 3 achetés, pardon, il y en avait une offerte. Du coup, j'en ai pris 3. Bon, c'est des bouteilles en verre. Ensuite, des patates douces, des patates simples. Pareil, j'avais pris des autres et ils nous ont donné celle-ci parce qu'il n'y avait plus les autres. Une courge butternut. On avait repris quoi? On avait repris de la purée. Oh, je vois qu'il y avait les croques soja. J'avais oublié qu'il y avait ceci qui était ici. De la marque céréales bleues là que j'aime trop. C'est trop bon ça. On avait repris du coup les tomates. J'avais pris plein de pâtes complètes aussi parce que c'est la base, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait pris d'autre? J'avais pris du blanc de dinde comme ça. J'avais pris des aiguillettes de poulet, des petits suisses nature. J'adore manger ça avec des compotes. Et les yaourts de soja, ça m'a un peu gavé. Enfin, je sais pas. C'est beaucoup moins bon que ça, quoi. J'ai repris des compotes bio. C'est un peu plus cher. En plus, c'est par paquet de 4, mais bon. Voilà. J'ai repris des œufs. Donc, j'ai pas pris des œufs bio, en fait, parce que... Ou les œufs bleu blanc cœur, je crois. Ceux-là, c'est juste pondu en France. Voilà. Parce qu'en fait, un truc comme ça de 30 œufs, ça coûte autant qu'une boîte de 6 de bio, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai pris pas mal de fruits et légumes, donc des petites tomates cerises, courgettes, concombres, aubergines, avocats, tomates, tout ça quoi. Les carottes, c'est mes carottes que j'ai eu à Noël. Ah, ici, un truc que je prends pas d'habitude, j'ai pris des betteraves rouges, donc elles sont épluchées, elles sont cuites et elles sont bio. Voilà, ça faisait longtemps que je n'en avais pas mangé et puis j'aime bien en salade, genre avec des œufs et tout. Je trouve ça plutôt bon. Donc voilà. Voilà, en gros, il y a sûrement d'autres petits trucs qu'on avait pris, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais se prendre des choses plutôt bien. Il va bientôt être 19h, il faut que je termine mon projet de soins. Que je range là tous ces cartons. Et j'allais dire, il faut que je monte un vlog pour demain, mais non, parce que demain, il y a une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale, donc pas de vlog. D'ailleurs, j'ai pas mis de vlog mardi, puisque j'avais quasiment rien filmé... Lundi en fait j'ai quasiment rien filmé, du coup ce sera combiné normalement au début de ce vlog. Sinon hier j'ai envoyé pas mal de colis concours, je les ai pas tous envoyés à la fois parce qu'en fait ça fait vraiment beaucoup. Et genre déjà là j'en avais genre 5 et quand tu les donnes aux gars pour qu'ils les mettent à poster faut qu'ils scannent tous les trucs. Et genre il y avait une queue derrière moi, j'avais l'impression de le gêner en fait. Et c'est vachement long de faire à la machine, enfin bref. Du coup j'ai préféré faire en 2 fois, donc pour le reste j'irai demain si j'ai le temps parce que je finis à 16h30 et la poste elle ferme à 17h30, donc j'espère que j'aurai le temps. En plus il faut que j'emmène un chèque pour Noël, un chèque que j'ai eu à Noël à la banque, à la poste du coup. Mais j'ai complètement zappé depuis Noël, je sais pas pourquoi, alors que la poste est pas loin chez moi, mais bon bref. En plus ils font un super système pour mettre les chèques, c'est hyper simple. Donc il faut absolument que je fasse ça demain. Voilà, je vais vous laisser, j'espère que je vais pouvoir imprimer mon projet de soin parce que le souci c'est que mon copain a voulu imprimer un truc, je sais plus quoi, avant-hier. Et je lui ai imprimé et ça a imprimé en rouge, donc je pense que j'ai plus d'encre. Donc je me dis qu'au pire, si j'ai plus d'encre, je mettrai en bleu l'écriture. Comme ça, j'imprimerai en bleu. Ça sera toujours plus lisible que du rouge. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce vlog parce que là, je vais continuer mon projet de soin. Puis après, je vais me doucher. Après, mon copain va arriver, on va manger tout ça. Enfin bref, pas trop de choses après. Très très intéressant. Enfin, je veux pas dire que ce qui était avant était méga intéressant, mais bref. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog.